Alors bonjour tout le monde et bienvenue à Ultra Gameplay avec Qtnix. Donc sur la chaîne de Qtnix et Qtnix. Donc on y va pour la session 4 de Resident Evil 6. Donc Evil 6. Donc c'est parti, je load la partie. Donc j'étais rendu avec Léon. On va voir où j'étais exactement. Pardon. Donc on y va pour la suite. Donc Ultra Gameplay c'est quoi? Ben c'est moi qui joue à des jeux plus ou moins récents. Pour le temps c'est des jeux rétro. Donc voyons voir où nous en sommes pour Resident Evil 6. Pardon. C'est la quatrième session donc c'est parti. Donc si vous voulez voir une série que je finis le jeu au complet, ben c'est Metroid 2, le retour de Samus sur Game Boy. Que j'ai fait sur la chaîne, donc vous pouvez aller voir dans la liste adaptée. Alors, on y va, on commence avec Léon. Je vais sauter les animations pour pouvoir progresser plus dans le jeu. Donc ok, let's go. Donc on peut se battre avec les gâchettes dans celui-là. Ça peut nous sauver la vie, puis notre coéquipier aussi. Donc c'est parti, je suis rendu dans les égouts. Où il y a le métro, tout ça. Donc, yes sir. Toutou! Bon, j'ai installé les sous-titres en français. Donc, on y va. J'espère que le son est bon cette fois-là, puis qu'il n'y a pas de problème de son. On y va. Mon but c'est de progresser au prochain round, au prochain checkpoint. Allons-y. Donc là il va y avoir des amis. Donc pardon, j'ai été interrompu. Donc on va continuer. Ah, je te jure. Donc, Ultra Gameplay, c'est quoi? C'est ça, c'est des sessions. Ça dure environ 20 minutes, c'est ça que je voulais dire. Donc, mettez un j'aime dès maintenant. Pour nous encourager. Oh, je l'avais pas vu. Je vais perdre une barre de vie. Ça fait chier. Ouais, c'est violent. Ok, l'action est faite. Mais pourquoi les métros roulent encore? Personne aux commandes. Les zombies express. Alors. Donc ça progresse pour l'instant, pas de problème. Faut que je fasse encore 200 mètres. Ok, donc les chiens sont très violents. Il a failli m'avoir lui. Sérieux, ils sont vraiment forts. Donc ok. Ça
apparemment sont tough à battre là, les zombies. Faudrait que j'essaie d'upgrader mon gun. On progresse au moins. Ok, ça c'est bon. Merde. Je pense pas que j'en ai un loup. Oh merde. My god, violence. Balle, pas un peu. Donc on progresse. Pas encore ça. Ah, il est pas mal. T'as que pas dedans. Comment elle est là? Elena. Elena. Comment faut progresser. Je fais comment? On monte là. Ok. Là, je vois fuck all. Quand même assez tough. Faut progresser. Bon, c'est ça, je pensais. Parce que j'ai acheté une Xbox 360 parce que je pensais j'avais seulement quelques jeux, mais j'ai retrouvé celui de Resident Evil 6. Retrouvé, pardon. Donc je suis quand même content de l'avoir trouvé. Vraiment. Parce que j'ai déjà terminé une fois. Mais c'était avec Elena. Puis là ben j'étais avec Léon. Donc ça fait changement un peu. Je suis vraiment content de l'avoir trouvé. Ça c'est hyper rare. Attention, un métro. Oh non. Oh, il m'a passé dessus. Wow, ça c'est violent. Bon, je recommence un peu moins, un peu proche. Ok, un métro là. Ok, faut que je fasse attention. Bon, je recommence par là. Mais... ouais. Je pensais qu'il y aurait peut-être des objets. Fuck up avec les ombres, pareil.
le premier des trucs, c'est... Bon, les balles, ça. Bon, là... Faut que je me rende à l'autre bout. J'y arrive. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Le choix. Désolé mon gars. Ça progresse en vrai. On peut pas le louer. J'ai acheté un aile là-bas. Aide-moi, mon petit. Ne me laisse pas là. Donc, ok. Ok. Là, il va faire le côté chien. Attends un peu. Non. Alors. Il est mort. Come on. Attends, je vais, c'est juste s'il vous plaît. Donc, ça fait longtemps que je continue les séries, mais j'ai pas. Mais ces trois systèmes fonctionnent bien pour enregistrer. Ils fonctionnent avec OBS. Puis il y a un capteur HDMI. Donc, je m'enfonce, puis il y a des amis qui me suivent. Quoi? Bon, comment ça progresse? Alors, on continue. Non, c'est ça, OBS, des fois ça marche, des fois on rencontre plein de bugs dans mon système. Fait que c'est comme pas évident pour moi de s'enregistrer tout le temps comme je voudrais, la qualité que je voudrais, etc. Mais j'essaie de vous présenter le mieux possible. Des fois ça prend 3-4 essais avant de faire de quoi qui se publie. Que je publie avant, quand c'est minimum à mon goût. Donc si vous aimez, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de partager. Si vous avez des gens que ça peut intéresser sur les réseaux sociaux, tout ça, vos amis, ben, faites le collage avec la chaîne. Même si je ne vous connais pas, moi vous pouvez suivre un peu ce que je fais. Donc pour vous parler un peu de moi, là, présentement j'ai un travail. J'ai été commencé à être syndiqué cette semaine. Ça va bien, les choses avancent tranquillement. Ça n'a pas été facile ce qu'on a vécu. Je pense pas que ça soit facile pour personne en ce moment. Je vous souhaite bon courage. Puis bienvenue sur la chaîne, à ceux qui s'abonnent immédiatement. Donc, yes sir. Donc, c'est un peu pour parler de moi. Je l'ai pas eu facile, mettons, comme on dit. Vite, il faut la sortir de là. Qu'est-ce que c'est? Oh!
fait, je lance une bombe. Je sais pas comment. Donc désolé, j'ai eu votre temps, donc je continue. On va arriver bientôt à la fin de cette merveilleuse vidéo. C'est ça, je pense pas que personne n'a eu facile ces derniers temps, surtout depuis la COVID, que tout le monde a été pris plein fouet. Donc, on fait pas exception à la règle. Hey, oui. C'est un batteur de zombies, je suis plus faible que lui. Voilà, ça va mieux en mieux. Allez. Vous avez réussi. Vous pouvez accéder à la rue par ici. Alors, c'est comment elle? C'est vraiment pas terrible. Donc, ce jeu-là a été rough. Donc on regarde la fin du level. Bon tout le monde, c'est ça qui était ça. Donc mettez un j'aime, partagez sur les réseaux sociaux. Puis laissez un commentaire, abonnez-vous. Puis je vous dis à plus, monde, peace. À travers à vous. Et à la prochaine, c'était Kijunix. Je te déconnecte. Ciao, ciao.